Les salariés du SAV régional de Carrefour étaient aujourd'hui au tribunal de grande instance pour demander la réouverture du site de Portet qu'ils occupent depuis le 1er juillet. Nous nous considérons que le fait de laisser les salariés en inactivité forcée pour une période indéterminée constitue une violation de l'obligation de l'employeur de fournir du travail aux salariés et constitue une pression morale qui porte atteinte à leur santé puisque ces salariés ne savent toujours pas quand ils seront licenciés, ni même s'ils seront licenciés. La seule chose dont ils sont sûrs, c'est qu'ils n'ont strictement rien à faire, qu'on leur interdit d'aller sur leur lieu de travail et de rencontrer leurs collègues de travail, et qu'on les oblige à rester payés, à rester chez eux, tout en étant payés à rien faire. Ce qui est absolument insupportable pour tout être humain normalement constitué. Le délibéré a été remis au 5 août. Les salariés ont décidé de quitter les lieux en attendant la décision. Du côté de la direction de Carrefour, on reste MES ce soir.